Bonjour à tous, je suis Marie et je suis avec Petit Robinson qui a un mois et je suis la fondatrice de la marque Mode Trotteur. Donc Mode Trotteur, c'est une marque de vêtements pour femmes. On vend particulièrement en ligne, mais sinon on a une petite boutique pour l'instant rue d'Aboukir, mais qui est vouée à changer bientôt. Alors de prime abord, pour moi, c'est vraiment un mot cellulaire. C'est vraiment la régénération des cellules. Enfin, c'est là où en tout cas je l'ai entendu le plus souvent. Mais ça m'évoque sinon quelque chose de cassé ou d'abîmé et à qui on donne une seconde vie. Voilà. Donc c'est pour moi plus adapté à la base à la peau, mais en fait je me rends compte qu'on peut l'adapter en vrai à un peu tout ce qui nécessite une seconde vie. Et ben justement, je continue dans les cellules. C'est lorsque j'ai fait un masque du visage et j'ai vraiment eu l'impression pour le coup qu'on m'enlevait mais toute cette peau morte là, toutes les cellules qui avaient envie de tomber et pour justement laisser la place, faire une place nette en fait pour toutes les nouvelles qui arrivaient. Et c'est le dernier moment vraiment régénérant que j'ai vécu et je pense que ça s'applique assez bien justement à la définition, c'est-à-dire faire du neuf avec de l'ancien. J'ai pas vraiment de conseils, je pense que chacun fait comme il peut, comme il veut et avec ce qu'il peut, enfin avec ce qu'il a plutôt. Donc j'ai pas vraiment de conseils. Après, j'ai quand même l'impression que c'est très dans l'air du temps de refaire du neuf avec du vieux et je trouve que c'est vachement intéressant. J'ai surtout la sensation que la nouvelle génération là qui arrive, les ados d'aujourd'hui, sont beaucoup plus préoccupés justement par l'idée de bien faire que nous l'étions. Alors à leur âge, c'est certain, et même parfois encore aujourd'hui. Donc j'ai un bon espoir que toute cette marche green, etc., se perpétue dans les années à venir avec une super nouvelle génération qui va prendre ça à bras le corps mieux que nous, que ce qu'on a fait nous, en tout cas jusqu'à présent, je trouve. Et après, pour moi, c'est un concept qui est quand même facile à appliquer pour tout à chacun. Dans ce sens où on utilise tellement de, je sais pas moi, de carton, de papier, enfin il y a tellement de choses qui sont recyclables et en faire des trucs sympas que juste avec un peu d'imagination, on peut vraiment réussir à, voilà, je trouve, à donner une seconde vie aux objets, aux matières, etc. Et ça ferait surtout du bien à la planète. Et bien alors pour être tout à fait honnête, j'avais zéro rapport au linge de maison avant de passer ma commande chez Doransu. Et j'ai vraiment découvert ça avec mes nouveaux draps. C'était pas un truc moi dans lequel je mettais de l'argent, je m'en fichais un peu. Et là j'ai découvert le bonheur en fait de se coucher, alors dans des draps propres, oui bien sûr, mais dans du linge de maison super quali, tout doux. Le linge, j'étais pas forcément fan en plus moi à la base, parce que déjà je trouve que ça se froisse, enfin je sais pas, il y avait un truc qui me, je trouve que c'est rêche, il y a un truc qui me dérangeait, et au final je suis hyper contente parce que je les adore, mais vraiment je les adore, et j'ai découvert voilà le bonheur de ce que c'était de se lever le soir dans une super parure de lit. Et je dis pas ça pour faire de la pub à Doransu, hein. Et ben, je continue sur ma parure de lit en lin, particulièrement le coloris algue, qui n'était pas le coloris forcément sur lequel je pensais jeter mon dévolu. Et en fait, je trouve ça absolument canon. Encore une fois, c'est pas une couleur auquel j'aurais pensé, à laquelle j'aurais pensé, pardon. Mais je trouve qu'avec mon sol noir et mes murs blancs, le kaki de cette couleur est absolument mais canon. Voilà, donc j'ai pris en kaki, j'ai pris également en lagon et je recommande ces deux couleurs et cette matière parce que franchement, je suis vraiment hyper contente. Voilà, et encore une fois, ce n'est pas de la pub. Je le dis parce que je le pense.